بمكة لاحت رؤوس التلال تقص حكايا بصوت الرمال، قوافيل تمضي وأخرى تمر وأخرى تحط بثقل الرحال. تسير الحياة بهذه الديار لتمنح عيشا لتلك القفار، ولكن ظلام لليل عصيب يطول ليحجب وجه النهار. يسود القوي ويهوى الضعيف ويظلم بين اللئام العفيف، وجهل وفقر شديد وجوع وأحزان أم سقتها الدموع، وحكم السيوف وضرب الرقاب، ودفن البنات بجوف التراب، وصد عن الحق إذ يسجدون لأحجار صم لها يعبدون. ولكن فجرا لصبح قريب. أضاء السماء بوحي مهيب، رسول أمين نبي كريم، أتاه من الله أمر عظيم، فراح ينادي وهم يسمعون. بآيات صدق عسى يؤمنون، ولكن حقدا سرى في النفوس، تعالى ليطفي بريق الشموس، ويعلن حربا على الأمنيات، ليفني السلام بظلم الطغاة. هنالك نادى رسول السماء إلها قريبا مجيب الدعاء، إلهي وربي ورب الأنام، رجوت نصيرا لدين السلام، فما كاد يمضي حبيب الإله، تجلى العطاء بما قد دعا. فكان الهمام وكان الغيور، علي وطوبى لهذا الإمام، على الكفر حرب وللدين حامي، تلقى قريشا بحد الحسام، وأردى الكفور وبئس المصير، وليد بن عتبة قد غدا بكف علي يذوق الردى، وعمرو بن ود هوى باندحار بضربة حق لسيف الفقار، ومرحب لما دعاه اليهود، لقاه علي ببأس شديد، وراح بعزم ونصر مبين، يغيظ الأعادي بدك الحصون، لواء توشح بالمكرمات، وليث يصول على العاديات، ومنبر حق لطه الأمين، وعز وفخر لدى المسلمين. ولما دنا الموت للمصطفى، وعند الرحيل ينال المنى، أتاه الأمين بمسك الختام، ألا فلتبلغ جميع الأنام، حشود تراءت بأرض الغدير، وكف علي بكف البشير، علي بأمر العلي القدير، أمير أمير ونعم الأمير، مصاب ألم بآل الرسول، فشمس النبي مضت للأفول، ورغم العزائم ورغم المصاب هنا
هنالك أمر جرى للصحابي فقد غافلوا حيدرا في عزاه ليستبدلوه ويأتوا سواه أقهرا يجرونه كالأسير وجبرا يبايع وهو الأمير وبالنار تحرق باب البتول ليدمى بذاك فؤاد الرسول ولكن نفسا حواها الخلود سيبقى لديها المزيد المزيد فرغم الذي كان أو ما يكون تناسى علي خلاف السنين وظل نصوحا لمن خالفوه وهم في ملماتهم يسألوه ويبقى لأمة هذا الكتاب مضح لهم من وراء حجابي يا Allô et bonsoir, chers membres du groupe Le Débat chiite sunnite. Il est l'heure de notre conclusion. Aujourd'hui, nous ferons tout de suite, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, la conclusion de ce thème qui le prophète avait demandé, avait indexé, avait dit le nom, avait annoncé à la Oumma islamique pour le succéder après sa mort. Nous allons faire la conclusion tout de suite. Nous aurons un chiite, et je n'ai jusqu'à présent pas un sunnite qui s'est porté candidat. Je pense que d'ici la fin de la conclusion de notre frère chiite, on aura un sunnite qui va se déclarer pour faire la conclusion côté sunnite par rapport à ce thème. Je reviens à vous, Inch'Allah, pour la conclusion. Donc, allô, chers membres, je vous demande d'être très attentifs, de bien vouloir suivre la conclusion de notre frère chiite qui est en train de se passer actuellement. Il est en train de faire la conclusion au nom des chiites. Donc, il faut être très attentif et suivre sa conclusion. Et ceci étant, nous attendons aussi nos frères sunnites de bien vouloir venir faire leur conclusion. Après la conclusion de notre frère chiite, Inch'Allah, nous allons fermer pour aujourd'hui. Et comme ça, demain, nous reprendrons avec un nouveau thème. Mais qu'à cela ne tienne, nos frères sunnites sont bien... nous les demandons de bien vouloir venir ici, nous apporter leur conclusion en ce qui concerne ce thème si important, en ce qui concerne ce thème si hallucinant. Donc, nous continuons avec notre frère chiite, le nommé Alpha Omar Diallo, si je ne me trompe. Il est en train de faire la conclusion pour nos frères chiites. Et nous allons le suivre très attentivement et comme ça nous allons procéder à notre fameuse série questions-réponses. Merci et bonne concentration. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala habibina wa habibillahi al-alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabihi al-mayamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Donc, en discussion avec les administrateurs du groupe, on a convenu que je ferai, ou bien nous ferons plutôt ici, donc le résumé du thème qui a été déjà entamé et discuté ici dans le groupe, qui est en l'occurrence... qui est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc désigné comme successeur nommément. Donc, je vais essayer du mieux que je peux, Inch'Allah,
Pour faire un petit résumé, déjà ici du côté chiite, Inch'Allah. Comme nous le savons, tous les autres prophètes avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sont pas partis sans avoir laissé un successeur. Ils avaient tous un successeur désigné et, n'est-ce pas, par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose que nous savons tous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a à maintes occasions nommé, indexé par l'ordre de Dieu, effectivement, parce que la yantiqani illa tout ce qu'il dit vient du Seigneur, il ne dit rien sous l'effet de la passion. Alors, ce prophète béni avait dès les premiers instants de l'islam déjà. Lorsque le verset du Coran transmet à tes plus proches de la sourate Ash-Shu'ara, verset 214, qu'on appelle communément le hadith Al-Dar, il avait invité, n'est-ce pas, tous ses oncles, dont Abi Talib, Hamza, Al-Abbas et Abi Lahab, et il les avait dit, n'est-ce pas, il les avait demandé, après une brève introduction, qui voudra, n'est-ce pas, l'assister, devenir son frère, son régent et son successeur parmi eux. Ils ont tous refusé, n'est-ce pas, sauf Ali. Quiconque veut voir le hadith, il peut aller, on va donner les références tout à l'heure. Ali, donc, était le plus jeune, il se leva et dit, je serai ton soutien au prophète d'Allah. Et alors le prophète le prit par le cou et il dit, il est mon frère, mon régent et mon successeur parmi vous, écoutez-le et obéissez-le. Alors les gens, n'est-ce pas, on peut... Ce hadith, il est authentique, rapporté par les différentes chaînes de transmission telles que rapportées dans les livres des savants sunnites. Alors nous avons Ibn Ishaq, Ibn Jarir, Ibn Abi Hatim, Ibn Mordawai, tout ça c'est des savants que je cite, Abi Na'im, Al-Bayhaqi dans ses Sunan et ses Dalail, Al-Tha'labi aussi l'a rapporté. At-Tabari, dans son commentaire de la sourate Ash-Shu'ara, verset 214, vous pouvez aller vous référer là. Également, At-Tabari, dans son livre Histoire des nations et des rois. Ibn Athir aussi le considère comme allant de soi dans la deuxième partie de son Kamil. On peut aussi citer, n'est-ce pas, Al-Nasa'i, d'après Ibn Abbas, à la page 6 de ses spécificités à la 8, et par Al-Hakim. Dans son Sahih al-Mustadrak à la page 3, 132 de la troisième partie. Et également, l'imam al-Zahabi, qui l'a considéré, n'est-ce pas, qui l'a résumé et donc a reconnu son authenticité. On peut également, n'est-ce pas, ajouter de ces différents rapports, de ces différentes sources de transmission. On peut ajouter, n'est-ce pas, le musnad de l'imam Ahmad bin Hanbal, n'est-ce pas, le hadith de l'imam Ali rapporté donc par Ahmad bin Hanbal au page 111 et au page 159 de la première partie de son musnad. Donc tout ceci, n'est-ce pas, confirme que ce hadith est un hadith qui est, n'est-ce pas, rapporté par différentes chaînes de transmission et qui se confirme toutes. Et qui authentifie ce hadith, nul doute, n'est-ce pas, en ce hadith, pour quelqu'un qui recherche la vérité. Alors, lorsque vous consultez, pour ceux qui vont me dire, oui, est-ce que vous pouvez me donner, n'est-ce pas, le sanad de hadith, la chaîne de transmission? Alors, je vais vous donner la chaîne de transmission. Si vous partez dans, si vous vous référez donc à la page 111 du premier volume de l'imam Ahmad bin Hanbal dans son Musnad, il reprend ce hadith d'après Aswad ibn Amr, d'après Sharik, d'après Al-Amash, d'après Al-Manhal, d'après Abbad ibn Al-Asadi, qui le reprend de Ali. Donc chacun de cette chaîne, donc chacune des personnes là, de cette chaîne de transmission fait autorité, n'est-ce pas, chez les sunnites, et tous font partie des hommes admis sans conteste dans les sahihs, c'est-à-dire dans la science qu'on appelle Al-Murijal, quand vous voyez le livre d'Al-Qaisarani, dans les hommes des Sahih, c'est, n'est-ce pas, quelqu'un qui a écrit les hommes des Sahih Mourijal, et il dit il ne peut y avoir d'autre choix que d'admettre l'authenticité de ce hadith, parce que tous les hommes qui ont rapporté le hadith sont des hommes de confiance, sont des hommes que lorsqu'ils rapportent un hadith, on a confiance sur ce hadith parce que c'est des hommes, n'est-ce pas, de confiance, de parole, et qui ne, donc, peuvent rapporter de n'importe quoi.
Et il fut transmis, n'est-ce pas, par plusieurs chaînes, donc le hadith, il fut transmis par plusieurs chaînes de transmission, se confirmant l'une après l'autre. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, nous savons aussi, ça c'est le premier hadith, donc on a donné toutes les chaînes de transmission pour celui qui veut aller chercher, il s'y retrouvera, Inch'Allah. Et alors, nous avons aussi le hadith Al-Manzila, qui est connu donc sous le nom Al-Manzila. C'était donc lors de la bataille de Tabouk. N'est-ce pas, l'imam Ali, le prophète a demandé à l'imam Ali de rester et donc de protéger la ville. Et alors l'imam Ali pleura. Et alors le prophète dit, n'est-ce pas, n'acceptes-tu pas ou n'es-tu pas satisfait d'avoir le statut qu'avait Aaron pour Moussa, mis à part la prophétie, car il n'y a nul prophète après moi. Il ne faut pas que je parte avant de t'avoir confirmé en tant que mon successeur. En tant que mon successeur. Et le prophète lui dit, tu es le lieutenant de tout croire. Donc nous voyons bien ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a honoré l'imam Ali en incluant, n'est-ce pas, sa descendance et lui attribua le rang qu'avait Aaron pour Moussa, mis à part la prophétie. Cette exclusion, écoutez bien, cette exclusion prouve la généralisation. Donc le fait que le prophète a exclu la prophétie, effectivement c'est ça, parce que le dernier prophète, l'imam des envoyés, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, n'es-tu pas satisfait d'avoir le même statut qu'avait Aaron pour Moussa, mis à part la prophétie? Le fait d'exclure cette prophétie-là prouve, n'est-ce pas, la généralisation de la primauté de l'imam Ali sur les croyants. Donc, et vous savez sûrement tous, que vous soyez sunnite ou que vous soyez chiite, tout simplement musulman, vous savez sûrement que le rang le plus élevé qu'avait acquis Aaron vis-à-vis de Moussa, de prophète Moïse, alayhi salam, était, n'est-ce pas, d'être son second et son soutien, et à participer à ses affaires, à lui succéder, et à imposer obéissance, n'est-ce pas, des autres envers lui, comme, par exemple, Dieu dit dans le Coran, Aaron, mon frère, par lui, renforce mon dos, ou associe-le à mon commandement, à la sourate Taha. Et il dit aussi, n'est-ce pas, sois mon lieutenant sur mon peuple et agis bien, et ne suit pas le sentier des fauteurs, des fauteurs de désordre. Ça, c'est à la sourate Al-Araf. Et à la sourate Taha, Dieu dit au prophète Moïse, ta demande est accordée au Moïse. Donc, d'après ce texte, Ali est le successeur du prophète sur sa nation, son soutien dans sa famille, son associé dans ses affaires, et en tant que gouverneur, et non en tant que prophète, et il est le meilleur de sa nation. Quiconque, n'est-ce pas, voit ce hadith d'Al-Manzila ne peut que reconnaître, n'est-ce pas, que la direction a été après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été confiée à l'imam Ali, comme, n'est-ce pas, le fut Haroun au temps de Moussa pour la nation, n'est-ce pas, de Moussa. Et surtout, quand le prophète a dit dans le hadith, il ne faut pas que je, en terminant, n'est-ce pas, il ne faut pas que je m'en aille avant de te confirmer dans ma succession. Et toutes ces paroles visent à un seul objectif. Et n'oubliez pas non plus cette parole. Tu es le lieutenant de tout croyant et tout croyante, n'est-ce pas, de toute croyante après moi. Ce texte signifie qu'il est le dirigeant, le gouverneur et son remplaçant. Et ça concorde absolument avec, n'est-ce pas, le verset de la sourate Al-Ma'ida, de verset 67 de la sourate Al-Ma'ida, où Dieu, n'est-ce pas, dit à son prophète, ô messager, communique ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et alors, l'authenticité, n'est-ce pas, de ce hadith, de son support, ne peut être mise en doute, et personne n'a eu l'idée de discuter son fondement. Même Al-Wahhabi, bien qu'opiniâtre, a confirmé son authenticité dans le résumé d'Al-Mustadrak. Ainsi, Ibn Hajar aussi, qui dans son livre Al-Sawa'iq, cite le hadith, n'est-ce pas, dans la conjoncture 12, après l'avoir, n'est-ce pas, rapporté des traditionnalistes. Et alors, vous pouvez vérifier le hadith. Il a été, n'est-ce pas, si le hadith n'était pas solidement confirmé, Al-Bukhari ne l'aurait pas rapporté dans son livre, car il n'est pas facile d'ordre. Ordinairement, Bukhari ne rapporte pas, il n'est pas facile de rapporter les spécificités de Ali ni les mérites d'Ahlul Bayt. Mais il est rapporté, n'est-ce pas, dans Al-Bukhari, dans les vertus de l'imam Ali. Vous pouvez aller voir, entre
C'est le volume 3, la page 58. Donc, dans les vertus de Ali al-Bukhari, rapporte, n'est-ce pas, le hadith al-Manzila. Et également, al-Mustadrak rapporte, n'est-ce pas, on l'a dit tout à l'heure, dans, n'est-ce pas, al-Hakim, dans son Mustadrak, et également aussi dans le Sunan Ibn Majah, dans les bienfaits de l'imam Ali, aussi, vous pouvez aller retrouver ce hadith qui est rapporté et authentifié. Alors, l'imam Ahmad bin Hanbal le cite également dans son Musnad à partir du hadith de Sa'ad et d'autres sources. Alors, on a dit tout à l'heure, je reprends, l'imam Ahmad bin Hanbal dans son Musnad cite, n'est-ce pas, le hadith à partir de Sa'ad et d'autres sources, mais il est également rapporté par Ibn Abbas, Asma bint Umayis, Abi Sa'ad al-Khudri, qu'on ne pouvait pas présenter ici parce qu'on sait que c'est quelqu'un de véridique. Même Muawiyah ibn Abi Sufyan a rapporté ce hadith à Manzila et d'autres compagnons. Et il est rapporté par Al-Tabarani d'après Asma bint Umayis, Salma, notre mère, Khubaysh ibn Janada, ibn Omar, ibn Abbas, Jabir ibn Samra, Zayd ibn Arqam, qui est aussi très très connu dans le monde du hadith, Al-Barra ibn Azib, et Ali ibn Abi Talib. En l'occurrence, ainsi que d'autres. Donc, c'est la chaîne de transmission, elle est connue, et les hommes qui ont rapporté la hadith sont des hommes authentiques, véridiques, dignes de confiance. Et Al-Tirmizi, dans son Sahih, également, d'après Abi Sa'ad al-Khudri, rapporte, n'est-ce pas, ce hadith aussi qui est authentique. Alors, pour être tout à fait clair et pour être tout à fait objectif dans ce que nous disons, il n'y a qu'un seul qui a mis, n'est-ce pas, ce hadith en doute, c'est Al-Amadi, n'est-ce pas, et son doute n'a peu de valeur, n'étant pas lui-même traditionnaliste, sa connaissance des sources et des chaînes de transmission est comparable à celle des gens ordinaires. Par ailleurs, c'est son érudition dans la science des principes qui l'a conduit à une telle erreur, car d'après cette science, ce texte est réellement clair que pour le rejeter. Il faut mettre en doute son support, croyant que cela est possible. Alors nous avons vu, n'est-ce pas, tout ce monde, n'est-ce pas, rapporteur de hadith, des savants respectés au niveau, n'est-ce pas, chez nos frères sunnites, mais également chez nos frères chiites, qui ont tous rapporté, n'est-ce pas, ce hadith et qui ont confirmé toutes les chaînes de transmission et tous les hommes, n'est-ce pas, qui ont rapporté ce hadith-là sont des hommes de confiance où il ne peut y avoir nul doute, n'est-ce pas, en ce hadith d'Al-Manzila qui confirme l'imam Ali comme successeur de prophète, comme le hadith de Al-Dar au début de l'islam. On va donner, chers frères, on va poursuivre en donnant quelques références aussi, quelques hadiths. Parmi ces sources aussi qui confirment l'imam Ali, c'est la visite, n'est-ce pas, à Salim, qui est une pionnière d'une vive intelligence, qui jouissait d'une position particulière auprès du messager d'Allah, du fait de qu'elle s'est convertie, n'est-ce pas, précocement à l'islam, de son dévouement, de ses conseils, de ses mérites. Et le prophète, donc, l'a visité et lui parlait fréquemment. Il lui dit un jour, Salim, la chair de Ali provient de ma chair, son sang est le mien, et il est pour moi ce que Haroun fut pour Moussa. Et donc, ça, le hadith, c'est le hadith numéro 2554 du Kanz, n'est-ce pas, Kanzul Ummal, à la page 154 du sixième volume. Également, un hadith rapporté, n'est-ce pas, de la fille de Hamza, n'est-ce pas, et le prophète dit, n'est-ce pas, oh Ali, tu as pour moi le même statut qu'avait Haroun pour Moussa. Et le hadith, vous pouvez le voir dans Al-Nasa'i, dans Al-Khasa'is, Al-Alawiya, les spécificités alawites à la page 19. Et donc, également, il fut encore rappelé lorsqu'un jour, Abu Bakr, Omar, Ibn Ubaïda, Ibn Jarrah se trouvaient chez le prophète qui s'appuyait sur Ali, il dit, il tapa l'imam Ali, n'est-ce pas, et dit devant donc Abu Bakr, Omar, Ibn Ubaïda, Ibn Jarrah, oh Ali, tu es le premier croyant véritable, le premier musulman, et tu as pour moi le même statut qu'avait Haroun pour Moussa. Et ça, c'est rapporté, n'est-ce pas, par Al-Hassan ibn Badr, par Al-Hakim dans Al-Kuna, par Al-Shirazi dans Al-Aqab, et par Ibn al-Najjar aussi également. Alors, nous allons ici rapporter pour un peu clore avec ce hadith. C'est, n'est-ce pas, le Zayd ibn Abi Awfa qui est rapporté, donc, l'imam Ahmad ibn Hanbal plutôt dans son ouvrage Manaqib, n'est-ce pas, Ali, qui a donc rapporté le hadith de Zayd ibn Abi Awfa.
Aussi, le même hadith a été rapporté par Ibn Asakir, hein, dans son Tarikh, qui est connu comme un grand historien musulman. Aussi, Al-Tabarani, dans son Majmua, et Al-Baroudi aussi dans son Al-Ma'arif, Ibn Uday et d'autres. Ce hadith, il est long, il rapporte les modalités de la fraternisation. Ça s'est déroulé, n'est-ce pas, après l'hégire de 5 mois, lorsque les Mohajiroun et les Ansar ont fraternisé, n'est-ce pas. Et donc, le hadith se conclut comme suit, n'est-ce pas. Ali dit au messager d'Allah, mon âme a eu de la peine et mon dos s'est courbé lorsque je t'ai vu faire avec tes compagnons autrement que moi. Autrement que moi. Si cela est dû à un mécontentement, à toi la faveur et la générosité. Et le messager d'Allah lui répondit, en vérité, j'ai agi ainsi parce que je t'ai choisi pour moi-même. Tu as pour moi le même statut qu'avait Aaron pour Moussa. Tu es mon frère et mon héritier. Alors l'imam Ali lui demanda, qu'est-ce que j'hériterai? Qu'est-ce que j'hériterai de toi? Hein? Qu'hériterai-je de toi? Alors le prophète lui dit, ce qu'ont hérité les prophètes avant moi, le livre de leur maître et la sunna de leur prophète. Et la sunna de leur prophète. Tu seras à mes côtés dans mon palais du paradis avec ma fille Fatima, tu es mon frère et mon compagnon de route. Puis alors, il lut, n'est-ce pas, le prophète lut le verset 47 de la sourate Al-Hijr, ils deviendront des frères sur des trônes qui se font face. Et alors, ce hadith, n'est-ce pas, est rapporté aussi hein, par Al-Tabarani dans son Al-Kabir, hein, à partir d'Ibn Abbas aussi, qui relate donc la même chose. Donc, ceux qui vont nous dire « Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin » alors, Al-Mahdiyin, hein, alors, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est, n'est-ce pas, l'imam Ali qui l'a hérité. Et alors, c'est à l'imam Ali qu'il faut se référer pour avoir, n'est-ce pas, la vraie version des choses, Inch'Allah. Chers frères, enfin, pour finir avec ce hadith, par ce verset donc du Coran, le verset qu'on nomme le verset de la wilaya, on ne va pas citer ici le verset d'Al-Khadir. Les frères ont assez cité le frère Kouassi, le frère Diouf, je pense, qui est au Sénégal, et le frère Touré aussi. Ils ont tous exposé ici, ils ont vraiment été brillants dans leurs exposés. Tout ce que je dis là, je ne fais que répéter leurs paroles. Ils ont été vraiment excellents dans le débat. Donc ici, on va juste rapporter le verset d'Al-Wilaya. On va nous dire, oui, mais vous citez des hadiths, alors amenez-nous un verset du Coran qui parle de la primauté de l'imam Ali, de la succession. On va vous parler de la du verset d'Al-Wilaya. Le verset nommé d'Al-Wilaya, c'est le verset à la sourate Al-Ma'ida, le verset 55, pardon, à la sourate Al-Ma'ida, où Dieu dit, non, vous n'avez d'autres amis que Dieu et son messager, et les croyants qui établissent l'office et acquittent l'impôt, cependant qu'ils s'inclinent. Et quiconque prend pour ami Dieu et son prophète, Dieu et son messager et les croyants, c'est le parti de Dieu qui est le vainqueur. Alors, ce verset, il fut révélé sans aucun doute, je dis bien sans aucun doute possible, pour l'imam Ali et fit l'aumône de sa bague tout en étant agenouillé pour la prière. Oui, mais certains qui vont venir nous dire, oui, Dieu utilise le pluriel alors que l'imam Ali, il était seul. Alors on va leur dire, allez-y encore lire votre Coran, vous trouverez, n'est-ce pas, que Dieu utilise, n'est-ce pas, plusieurs fois le pluriel en exprimant le singulier. Ça, c'est des spécificités de la langue arabe. Vous pouvez aller à la sourate Al-Imran, verset 173. Dieu parle de Naïm ibn Mas'ud, mais il utilise le pluriel. Allez voir, n'est-ce pas, Al-Ma'ida, verset 11. Dieu utilise le pluriel, mais il parle d'un seul homme nommé, n'est-ce pas, Ghawrat de Bani Muharab. Vous allez voir, n'est-ce pas, et il y a plusieurs, n'est-ce pas, versets dans le Coran où Dieu, n'est-ce pas, utilise le pluriel pour, n'est-ce pas, spécifier quelque chose. Alors, nos sahih des imams de la descendance purifiée nous rapportent fréquemment que ce hadith fut révélé, n'est-ce pas, lorsque l'imam Ali a donné sa bague lorsqu'il était agenouillé pour la prière. Mais c'est pas eux seuls. Alors, on va rapporter des rapporteurs sunnites dont le sahih, donc Nasa'i dans son sahih, dans le commentaire de la sourate Al-Ma'ida, dans la compilation des 6 sahih, vous pouvez retrouver, n'est-ce pas, que l'imam Ali, il prouve que l'imam Ali, n'est-ce pas, est bien indiqué dans ce verset-là et qui a fait au monde lorsque
lorsque, n'est-ce pas, il faisait l'office, il faisait la prière. Vous pouvez également consulter le hadith d'Ibn Abbas dans le commentaire du verset du livre, dans le livre Al-Nuzul, de la révélation donc de l'imam Al-Wahidi. Vous pouvez consulter dans Al-Khatib, qui le reprend donc dans Al-Muttafaq. Vous pouvez consulter également le hadith de Ali dans les Musnad ibn al-Murdawai, dans Abi Sheikh aussi, ainsi que dans Kanzul Ummal. Les exégètes sont unanimes, sur le fait que ce verset concerne Ali. Plus d'un savant sunnite l'a reconnu, tel que l'imam al-Bukhari dans al-Mabahath al-Imama. Cependant, nous allons nous limiter, nos commentaires de l'imam Ibn Ishaq Ahmad al-Fa'labi, qui est un grand savant sunnite, qui, n'est-ce pas, il dira dans son livre, en arrivant à ce verset dans son commentaire volumineux, n'est-ce pas, il se base sur Abu Dharr al-Ghifari, qui est un grand compagnon du prophète. Il dit, n'est-ce pas, Abu Dharr qui dit, j'ai entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de mes propres oreilles, sinon j'aurais été sourd, dire, Ali est le commandant des pieux, le commandant des impies sera vainqueur qui le soutient et vaincu qui l'abandonne. Une fois alors que je priais après le prophète, un homme se mit à mendier dans la mosquée, tous refusèrent de lui donner quelque chose. Ali se tenait à genoux, il leva son doigt autour duquel se trouvait une bague et le mendiant s'approcha de lui et ôta la bague du doigt. Et le prophète donc implora Allah l'exalter et l'invoqua en disant, Allah, si mon frère Moussa te demande, Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite donc Rabbi Shrali Sadriwa sur l'Amri. Vous trouverez tout ça à la Sourate Taha, versets 25 à 35. Alors le prophète dit, n'est-ce pas, Allah, je suis ton serviteur et ton prophète. Ouvre, n'est-ce pas, ma poitrine et facilite-moi mon commandement et dénoue le nœud de ma langue afin qu'il comprenne la parole et assigne-moi un supporteur de ma famille. Et Abu Dharr dit alors par Allah, à peine a-t-il fini sa phrase que l'ange Gabriel lui révéla, n'est-ce pas, le verset 55 de la sourate Al-Ma'ida, ce qui prouve, n'est-ce pas, que l'imam Ali est bien le successeur du prophète. Parce que le prophète a demandé une invocation à Allah par le geste de l'imam Ali, a demandé une invocation à Allah, n'est-ce pas, pour que Allah fasse quelqu'un de sa famille qui, n'est-ce pas, quelqu'un de sa famille pour faciliter son commandement. Et pour qu'il comprenne, n'est-ce pas, la parole après lui, qui assigne-moi, il dit, assigne-moi un supporteur de ma famille. Et c'est ensuite que, n'est-ce pas, Dieu révéla ce verset-là en exaucant la demande de son prophète bien-aimé. Alors, pour ceux qui, malgré les versets qu'on a donnés tout à l'heure, pour donc prouver encore que Dieu peut utiliser le pluriel en spécifiant, n'est-ce pas, une seule personne, alors, peut-être certains ne sont pas encore convaincus, ils vont dire oui, c'est une ruse qu'ils utilisent. Alors, on va vous demander, s'il vous plaît, mes frères, allez-y consulter le livre de Al-Zamakhshari. Peut-être qu'il vous convaincra. Il cite, n'est-ce pas, dans ce livre Al-Kashaf, un autre trait d'esprit. Il dit, c'est lui-même qui dit, si vous dites, comment est-ce valable que Ali soit mentionné par un terme de groupe? Alors, l'imam Zamakhshari dit, je réponds, il fut cité par le terme de groupe car, bien que n'étant qu'un seul homme, les gens doivent désirer agir comme lui pour obtenir ce qu'il a obtenu. Il s'agit ici de souligner que l'aptitude des croyants doit être si élevée de piété et de bonté qu'ils doivent être attentionnés aux pauvres, même si pour cela, ils doivent agir rapidement au cours de la prière sans les faire attendre jusqu'à la fin. On peut nous-mêmes avancer dans, n'est-ce pas, l'imam Sharafuddin al-Amili, il dit, n'est-ce pas, lui-même il peut avancer, n'est-ce pas, une explication. Il avance une explication. Il dit, n'est-ce pas, l'imam, Allah a utilisé le terme du groupe pour indiquer l'individu, le mettant à l'écart de la masse des gens parce que les malveillants envers Ali, les ennemis de Bani Hashim et les autres hypocrites et jaloux ne supportent pas de l'entendre au singulier. Il n'aurait dès lors aucune possibilité de tergiverser pour s'égarer. Il serait alors du fait de leur désespoir un danger pour l'islam. Et donc le verset fut révélé sous la forme collective alors qu'il indique l'individu afin d'éviter leur perfidie. Je ne vais pas citer tout, n'est-ce pas, son argumentation, mais c'est clair que le verset, il est clair d'après tous les textes qu'on a rapportés que le verset concerne l'imam Ali et qu'il prouve encore une fois de plus la primauté de l'imam Ali, la succession de l'imam Ali après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Je ne vais pas monopoliser la parole, je pense m'arrêter ici en remerciant tous les frères qui ont, n'est-ce pas, mené le débat, et c'est par leur débat ici qu'on a aussi, nous aussi, pu faire un petit résumé ici qui, j'espère, pourra aider, Inch'Allah, à faire jaillir la vérité, ou en tout cas à faire, n'est-ce pas, à allumer la flamme de la recherche chez nous tous, hein, nous tous qui sommes dans ce groupe, Inch'Allah. Et donc, quand je parlais de l'amour ou de la passion pour nos imams, ce n'est pas, n'est-ce pas, je ne parlais pas par passion, c'est parce que, n'est-ce pas, je parlais relativement au verset du Coran qui dit On ne nous a rien demandé, n'est-ce pas, Dieu ne nous demande absolument rien, son prophète, y compris, si ce n'est, n'est-ce pas, que d'aimer ses parents les plus proches, et on sait que ses parents les plus proches, Inch'Allah, c'est Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci, monsieur. Nous venons de suivre votre conclusion, mais nous allons vous demander une seule chose, c'est de bien vouloir vous présenter à nos millions d'auditeurs, à tous les membres de ce groupe, puisque là, vous avez fait votre conclusion qui est vraiment... une conclusion qui est basée sur des preuves, une conclusion à mon sens irréfutable. Donc je vous demanderai humblement, monsieur, de bien vouloir vous présenter pour qu'on sache vous êtes qui, quel est votre nom, vous venez d'où. Comme ça nous permettra de continuer la suite du débat. Merci, monsieur Diallo, j'espère. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères. Déjà, merci beaucoup pour avoir créé ce groupe et pour avoir donc assuré la modération et vous continuez, n'est-ce pas, à faire ce boulot, chose qui n'est pas facile, qui demande le temps et l'abnégation, et surtout qui demande d'avoir un dos large, parce que ce n'est pas facile de réunir les gens et de discuter, de faire un débat. Et donc, je m'appelle, comme pour aller directement donc à votre question, je m'appelle Diallo Alpha. Je suis un frère à vous, un frère à tous ceux qui sont là, qui, n'est-ce pas, apprend sa religion, qui est en train de, donc, qui apprend sa religion, qui connaît pas grand chose, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, un chercheur perpétuel. Je pense que nous tous, nous sommes des chercheurs perpétuels et chercheurs perpétuels de la perfection. Et cette perfection ne peut, n'est-ce pas, s'accomplir sans un guide qui a été purifié par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ahlul Bayt, après les prophètes, après, n'est-ce pas, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Et donc, ça c'est très, très, très important. Vous savez, je vais citer ici Adler, qui est un spécialiste de la pédagogie, qui déclare que l'un des socles des plus éducatifs, l'un des socles éducatifs les plus importants qui contribuent à faire évoluer l'homme et à le faire accéder aux sphères les plus élevées de sa moralité est la croyance en des êtres surnaturels ou des hommes, n'est-ce pas, de grande qualité. Et alors, l'âme de l'homme se met à aimer, à se prendre de passion pour l'homme supérieur, pour ses vertus qui l'y amène à s'habituer. Et c'est cet amour-là qu'on a pour nos imams, là, pour nos imams, n'est-ce pas? C'est cet amour-là qui nous fait évoluer et qui nous fait accéder aux sphères les plus élevées. Voilà qui est bien dit, voilà qui est bien réalisé et voilà qui est bien résumé. Merci mon frère Alpha Diallo de la Guinée-Conakry. Franchement, c'est extraordinaire votre résumé. On sent que vous êtes en train de faire des recherches, on sent que vous êtes en train de mener des études pour, comme vous venez de le dire, allumer la flamme de la recherche
Nous espérons tous que cette flamme aboutira un jour ou l'autre à la vérité qui va nous, cette vérité nous permettra, bien sûr, de bien nous comporter face à notre religion, de bien nous comporter face à notre bien-aimé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à notre prophète, à sa famille et à toutes les personnes qui ont donné leur vie pour que cette religion puisse se pérenniser. Franchement, nous vous remercions. Par ma voix, je vous dis merci. Et au nom de tous les administrateurs de ce groupe et à mon nom personnel, le modérateur, je vous dis encore une fois de plus merci pour votre brillante exposé. Je pense que nos frères sunnites feront la même chose, puisque là, ça fait deux thèmes, ça fait deux résumés qu'on n'a pas encore vu un seul sunnite pour nous faire leur résumé. J'espère que prochainement ils viendront pour nous faire leur résumé eux aussi. Merci mon frère Alpha Diallo. Je prie Dieu qu'il augmente votre savoir. Je prie Dieu qu'il augmente votre savoir-faire, votre connaissance et surtout votre simplicité. Même à vous entendre parler, on sent que vous êtes une personnalité, une personne humble. Merci à vous, merci à tout le monde. Nous reviendrons demain, Inch'Allah, si le propriétaire des jours à venir le veut bien, avec un nouveau thème. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala amir al-mu'minin. السلام على سيد الوصين السلام على إمام المتقين السلام على وارث علم النبيين السلام على يعسوب الدين السلام على عصمة المؤمنين السلام على قدوة الصادقين ورحمة الله وبركاته السلام على حجة الأبرار السلام على أبي الأئمة الأطهار السلام على المخصوص بذي الفقار السلام على ساقي أوليائه من حوض النبي المختار صلى الله عليه وآله ما أطرد الليل والنهار